Shadowcaster de Electronic Arts sur PC aurait pu être un jeu de rôle comme tant d'autres, simplement doté de jolis décors et d'une animation rapide, mais ce qui fait tout son intérêt, c'est son héros, dont on aperçoit le faciès poilu en haut à droite de l'écran. Notre ami est en fait une créature étrange, capable de se métamorphoser à volonté et de passer par exemple de l'apparence d'un loup à celle d'un homme. Le pantalon et le blouson sont fournis avec. Les dangers qui guettent notre homme caméléon dans ce monde étrange sont nombreux, mais l'animal est capable de prendre l'apparence qui lui permettra le mieux d'affronter la situation. Un dragon, un beholder, un chat géant doté de 4 bras, un gnome qui se faufilera facilement dans les passages étroits, ou bien encore une créature amphibie qui pourra s'aventurer sous l'eau. C'est très pratique. Vous trouverez bien sûr en route des armes, des potions et des armures, et il vous faudra chaque fois faire de nombreux essais afin de découvrir sur quelles créatures elles sont le plus efficaces. Les décors sont variés et détaillés, la 3D d'une rapidité stupéfiante et les niveaux sont plutôt vastes, mais une carte vous permet de vous repérer facilement dans les immenses dédales de couloirs que vous aurez à traverser. Les monstres sont nombreux et souvent très originaux. Celui-ci, par exemple, plus bariolé qu'une combinaison de cyclistes de Seine-et-Marne, est un chef-d'œuvre de mauvais goût. Heureusement, il ne va pas faire long feu. Shadowcaster ressemble à pas mal de jeux d'action en 3D du même genre, mais le fait de devoir apprendre à utiliser vos pouvoirs en fonction de la situation le rend plus passionnant que la plupart de ses concurrents. Notre note, 17 sur 20.